Bonjour et bienvenue dans votre émission Épargne et vous. Aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'assurance vie et notamment du rendement de l'assurance vie en euros. Ce rendement, vous le savez, il, il se dégrade d'année en année, mais j'aimerais malgré tout faire un bilan de l'année 2013 avec vous. Pour faire ce bilan, j'ai plusieurs chiffres à vous donner. Le premier, c'est évidemment le rendement moyen de l'assurance vie en euros en 2013. Ce rendement s'est érodé de 10 centimes par rapport à 2012 et il s'établit à 2,80% net contre donc 2,90% net en 2012. Donc c'est un léger recul. Second élément, c'est l'écart de taux qu'on peut trouver sur le marché. Euh, cet écart de taux se creuse lui aussi. Vous allez trouver des contrats qui vont vous offrir un rendement de moins de 2% et vous allez en trouver d'autres qui vont vous offrir un rendement supérieur à 3,5% net. Ce qui signifie que si vous choisissez bien votre fonds en euros, vous pouvez obtenir un rendement bien meilleur que la moyenne. Troisième élément, je voudrais vous parler du rendement réel de l'assurance vie. Le rendement réel, c'est quoi C'est le rendement de l'assurance vie auquel on défalque la hausse des prix, donc on enlève l'inflation. L'inflation en 2013, vous le savez, a été très faible, c'est 0,6% hors tabac. Si on prend nos 2,80 de moyenne rendement fonds en euro assurance vie, qu'on leur enlève nos 0,6% d'inflation, on arrive à un taux réel de rendement de l'assurance vie de 2,2%. Pas mal pour un produit super sécurisé. Pour que ce bilan 2013 soit complètement complet, il faut prendre en compte aussi le meilleur ennemi de l'assurance vie. Je parle bien sûr du livret A, l'autre placement super sécurisé. Ce livret A, rappelez-vous, il donnait un taux de 1,75% net jusqu'au 1er août. A partir du 1er août, il a chuté à 1,25%, ce qui au final, sur l'ensemble de l'année, fait ressortir un taux pour le livret A de 1,6%. Toujours comparé à notre moyenne du fonds en euros de l'assurance vie à 2,80, euh, à laquelle on va tout de même retrancher les prélèvements sociaux de 15,5% pour être parfaitement comparable avec le livret A, ce qui donne un rendement de 2,37% pour l'assurance vie hors prélèvements sociaux contre à nouveau 1,6% pour le livret A. Donc on le voit, l'écart est en grande faveur de l'assurance vie en 2013. Reste à vous dire ce qui peut se passer en 2014. Et bien en 2014, il n'y aura pas de miracle. Les taux de l'assurance vie ne vont pas tout à coup se remettre à grimper. Ça, il ne faut pas y compter. Ce qu'il peut se passer en 2014, c'est que les taux restent tout à fait stables, exactement comme cette année, comme en 2013, donc à 2,80 en moyenne, ou qu'ils baissent très légèrement. Alors vous allez me dire, mais oui, mais si je veux mettre du, un peu de rendement, booster mon contrat d'assurance vie, je fais comment Eh bien, il va falloir vous détourner progressivement du fonds en euros et commencer à investir ailleurs. Ailleurs, c'est quoi Ailleurs, ce sont d'autres fonds en euros, un peu plus dynamiques, qui sont gorgés d'actions ou d'immobilier et qui offrent un rendement supérieur à 4% en 2013, tout en étant tout aussi sécurisés que les fonds en euros traditionnels. C'est la première piste. La seconde piste c'est d'investir dans d'autres classes d'actifs. Donc là, on peut vous proposer de l'immobilier avec les SCI, les SCPI, les OPCI ou les placements à risque, les placements actions. Voilà, et eh bien, je crois que nous avons fait le tour de la question. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.